C'est une série de formations accélérées et qualifiantes, FAC en abrégé. L'initiative émane de l'APES, Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, et vise à doter les éleveurs d'une certaine compétence dans leur domaine d'activité. Après Kaoru, Boykon, Djiga et Sinandé, c'est au tour des éleveurs de Parakou. Ces formations, on peut les résumer en deux, en fait, puisque nous avons tenu compte des besoins exprimés par les éleveurs membres de l'APES. Et donc nous avons retenu la formation sur la fabrication de la pierre léchée et nous avons enchaîné avec la formation sur le déparasitage interne et externe des animaux. La formation sur le déparasitage interne et externe du bétail constitue l'essentiel des activités menées en théorie et en pratique. Ce que nous avons fait à Touro ici, il s'agit de la formation sur le déparasitage. Nous avons fait la théorie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la pratique. Donc, apprendre à l'éleveur, d'abord à tenir compte du poids de l'animal, à peu près, hein, puisque c'est une estimation visuelle, pour pouvoir donner le comprimé qu'il faut. Donc, nous avons fait l'exercice et les éleveurs sont en train de pratiquer actuellement. Nous avons également fait la pratique avec un déparasitant externe, qui permettra à l'éleveur de savoir d'abord comment on prélève le produit et comment on fait la dilution pour que maintenant la pulvérisation puisse se faire de façon correcte et que l'animal réellement, qu'on sache que le produit a été administré sur tout le corps de l'animal. Ces formations ont été très bien accueillies par les éleveurs et la cellule nationale de coordination du Bénin de l'APES ne compte pas en rester là. Ça a été également bien reçu par les responsables au niveau départemental, puisque la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche était représentée à ces formations. Nous avons sélectionné un certain nombre d'acteurs qui sont venus de plusieurs régions et que chacun rentré chez lui fera l'effort de restituer et fera l'effort également d'appliquer pour que les gens puissent s'en inspirer. C'est ce qui est important. Nous allons faire un suivi de ce qui a été fait et d'ici quelques jours, on va faire des recyclages en interne. Et je voudrais inviter les collectivités, les mairies et les maires à accompagner, à soutenir cette initiative hein, en lien avec les différents comités de gestion des marchés qui existent. Et de plus en plus, on a une structuration qu'on est en train de mettre en place par rapport à ces marchés. La dynamique est en cours et est en train de se renforcer pour que, au niveau, de façon formelle, à tous les niveaux, que les gens aient vraiment des interlocuteurs fiables et valables par rapport aux questions et de marché et de santé animale et d'alimentation. La PES, c'est 14 pays dont le Bénin. À noter que ces formations n'auront pas pu avoir lieu sans l'accompagnement de la coopération suisse qui soutient l'initiative à travers ses projets et